Ah, monsieur, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Parler Haïti. On l'autre fois encore, nous tournons sur la plateforme là avec une autre vidéo en détail. Salut tout le monde qui branche, Captain D, Parler Haïti. Très bien. Gagné Pierre Espérance lui-même, qui est directeur exécutif des droits humains. Il est directeur réseau national Cap Défendre Droits Moun. Ok, on allez. Pierre Espérance fait une déclaration. Côté lui fait connaître Léon Charles, pas de droit pour mettre mandat. Recherche, avis de recherche, et derrière groupe Fantôme 509 là. Li dit, ça Léon Charles fait, Léon Charles pas supposé faire ça, et Léon Charles pas qu'à arrêter et Fantôme 509, yo, groupe Fantôme 509. Nous on est là, et gen plus passé de 7 et Fantôme, 7 policiers Fantôme 509, yo mette mandat derrière yo pour arrêter yo, avis de recherche. Quand y a Pierre Espérance réagit, Pierre Espérance dit, Léon Charles pas supposé faire ça, Léon Charles pas gagné pièce droit pour le dire, la parité Fantôme 509. Entendez des Pierre Espérance qui va le parler, ou sous chaîne Valé Haïti, madame, monsieur, entendez des Pierre Espérance. En victime, par les policiers, par les institutions de police qui ont traversé un moment qui est extrêmement difficile. Et la situation est arrivée, c'est parce que mon problème de leadership dans la tête police. Côté que la tête police est pensée, c'est dans la répression, c'est dans la représailles qu'ils sont capables de résoudre le problème des policiers. Et je dis à ce qui a passé dans la police, c'est inacceptable. Côté que le recommandement qui a diriger la police avec bandits, avec gangs, et vivre une frustration en dedans et institution, et c'est ça qui crée le problème. Ça. Donc, l'institution police là, il presque disparaît. Et c'est triste, c'est la seule force de sécurité que nous avons dans le pays. Là, pour voir, c'est comme ça que l'autorité politique a géré la police. Là. Et depuis Léon Charles monté dans la tête de la police, là, il n'est pas fait technique, c'est politique, il fait. Et il vient mettre les policiers dans une situation qui est extrêmement difficile. Tout d'abord, si on a parlé de Fantôme 509, Fantôme 509, là, Jean et Silao, qui sont Fantôme 509, Jean a pris la RIA, Jean a fait revendication et passé, c'est inacceptable. Il n'est pas démocratique, il est anti démocratique ou pas capable d'utiliser violence pour faire revendication passée. Donc, yo revendication yo juste, yo légitime, yo pas rien pour bouler et matériel l'État, yo pas rien pour détruire matériel l'État, yo pas rien pour tirer sur policiers, yo pas rien pour attaquer les policiers, yo pas rien pour aller en confrontation avec population, yo pas rien pour aller en confrontation avec les policiers. Et ça qui passe le jour lundi 22 mars 2021, et c'est affrontement entre policiers avec policiers. Et qui est-ce qui cause ça? C'est la direction générale police, dans la façon qui a traité les policiers. Après, prenons encore, action et fantôme et a fait dans l'arrière. Si là, qui sorti dans l'arrière, qui a utilisé la vie du monde, qui a détruit la vie du monde, qui a tiré sur. Et machine l'État, qui a boulé machine l'État, qui a attaqué, et bien, moun, li inacceptable, li pas démocratique, la police là, son corps est lié, et li hiérarchisé, li y a une norme, yo, policier yo, yo là pour protéger avec sa vie, policier pas gagné droit pour lui et utiliser violence pour lui capable de faire revendication le passé. Cependant, contrairement avec ça, en plus, le monde a pensé. Fantôme 509 là, dans toute la police là. Nous pas de pourcentage là. Mais pas une unité dans la police là qui parle de fantôme là-dedans. Il y a un plusieurs modes opératoires. Et il y a un qui dans la rue à sort qui utilise la violence. Mais il y a tout. Il y a la manifestation là. Les populations ont revendiqué. Et ont revendiqué contre l'insécurité. Contre impunité, contre corruption. Pour qui ça a toute frustration, ça, en dedans pour ça. De 2017 pour arriver aujourd'hui, qui s'est passé? Pas d'investissement qui fait pour la police là.
n'ont pas amélioré les conditions et les policiers. Et puis, pendant ce temps, c'est gang que le pouvoir a renforcé. Et nous sommes capables de dire, aujourd'hui, c'est gang qui est plus puissant en Abéya. Et au lieu que l'autorité dans la police et utilise et l'autre moyen pour résoudre le problème, il y a fait répression systématique. En nous regarder ce qui passé hier. 22 mars, fantôme sorti dans la rue, des victimes, des policiers qui mourent, la note est inacceptable. Et le même jour, le directeur général de la police, lui sorti dans le CSPN, ils font communiquer des presse. Et vous avez mis à avis de recherche contre policier. La police nationale n'a pas opéré comme ça. La police nationale n'a pas fonctionné comme ça. Il y a une nommée hiérarchie. Policiers ont fait partie de un corps. Et c'est peut-être ça, vous avez gagné l'inspection générale de la police à qui là pour protéger. Est-ce que nous connaissons l'inspection générale de la police? Un, c'est si veillé sous condition et travail policier. Et en même temps tout sous comportement policier, si a fait ça que pas ça, si a contravention avec la loi. Est-ce que l'inspection générale de la police a fait un rapport pour identifier tous les policiers qui étaient dans la rue, tout ça vous mettez à vie des recherches contre eux, c'est qu'ils étaient dans la rue? Il y a un policier qui a un témoignage. Policier affecté jusqu'au code des faits. Il dit qu'il y a une semaine depuis le code des faits. Yo metto à vie de recherche des liens comme moun qui était dans la rue hier qui a crasé bise. C'est même bagaille pour policier Pascal qui est dans BLTS. Il a été arrêté déjà en 2020 sans enquête d'inspection générale de la police, sans rien, ils font pas de temps dans la prison. Mais quand ils mettent leur avis de recherche contre. La police pas qu'à fonctionner comme ça, ou pas qu'à un corps qui est examen même, un corps qui l'a cap bay sécurité, c'est traitement ça pour la bande. Il pas normal. Les policiers sont victimes de la victime de gestion de pouvoir. Les policiers, ouais, c'est des autorités qui ont un détachement avec eux. Cap bay et sac l'argent. Et pour porter bail. Bandi. Et puis eux-mêmes, les victimes, les mourir, c'est 75 000 gouttes. Ils ont des familles. Et puis immédiatement qu'ils ont fait mourir. Et bien, qui s'est passé, ils ont coupé chèque. Les familles n'ont pas bénéficié de rien. Ils ont victimes, ils ont arrêté, ils ont fait répression pour eux, sous eux, ils ont mis en prison arbitrairement et illégalement. Et puis pendant ce temps, les bandits, ils ont même fait ça rouler. Les bandits ont kidnappé, ils ont violé les gens, ils ont fait massacre et les policiers n'ont pas capable même arrêter. Donc, ou pas capable de traiter une force police comme ça. Et ça qui a passé là, est inacceptable. Côté que le pouvoir écrase la police là. Depuis Léon Charles monté dans cette police, la police n'a pas existé encore. Écrasé. En nous regardant ce qui a passé dans le Croix des Bouquets, le 25 février 2021. Ils ont écrasé. Côté que, il y a plus passé 25 détenus qui mourent. En la prison. Et mon paquet prisonnier sauvé jusqu'au moment qu'il a parlé à la. Pas de un rapport partiel de CPJ. Pas de un rapport partiel de l'inspection générale de la police qui dit ce qui s'est passé. Ou pas de aucun policier qui a mis en isolement. Pas d'aucune sanction administrative qui prend contre policier. Alors que évasion prison, ça qui passé dans la prison, c'est en la prison. En prend 12 mars. 12 mars. Ils ont envoyé les policiers dans le village de Dieu, les policiers entre eux, ils ont envoyé les policiers à mourir. Il y a 5 policiers qui mourent en dedans et puis ils ont l'autre qui disparaît. Direction générale de la police va dire rien. Ils ont seulement bail l'argent pour équiper les BNDA et ça qui est intéressé. Et quand il y a pour Pipiti 5 cadres, 5 gros gradés dans la police qui est impliqué dans. Ça qui passe le 12 mars 2021, c'est seulement Kalanri Boucher sacrifié. Ils ont arrêté Kalanri Boucher. Paul Mena, ils ont retiré le poste côté de l'inspection générale de la police. Ils ont détiré ces responsables de l'ONU. Ils ont fait un aller en République Dominicaine, ils ont fait l'autre aller aux États-Unis. Ils ont quitté le pays avec toute la famille. Donc,
gagne responsable boy là en Haïti. Donc une institution pas capable de fonctionner comme ça. Moun qui est responsable c'est Léon ça Charles, c'est Calan Boucher avec tout le monde. Gagne et numéro 2 de CPA, gagne responsable boy, gagne des numéros. Pas dans Haïti. Pas dans Haïti fait. Et ouais, journée aujourd'hui, hein, et directeur général de la police, là, ça l'a baissé les faits, pour lui capable de détourner l'attention au monde sur ce qui passe depuis l'année dernière avec le 25 février 2021, les yo fait ça, yo fait avec et Anel et Joseph en prison, hein, et pour nous, c'est une représailles qui a fait contre la police. Là, regardez sous question SPNH, là, ça a fait. Vous mettez à vie de recherche pour coordonnateur SPNH. Même hier, en jour 22 et mars 2021, avocat SPNH, là, qui sont anciens policiers, il y a allé dans le DDO et l'a notifié et la police là, pour un sitting qui a été fait matin. Ils ont arrêté, après ça, à mon petit temps, ils ont libéré. Kounye là. Et il y a un gros nègre. Qui était un policier qui était déjà révoqué, on est là, il mettait à des recherches contre eux. Est-ce qu'on a encore un rapport de l'inspection générale de la police là, qui est identifié Mounsao comme un qui était dans la crasse de l'usine dans l'arrière hier? Si oui. Nous d'accord? Pas de problème, mais il faut nous rapport. Directeur général de la police, c'est pas Rolli. Il n'est pas capable de rester comme ça pour la baisser, pour la prendre des mesures contre les policiers. Donc c'est ça qui fait créer l'inspection générale là, qui pour faire équilibre là, qui pour protéger les policiers contre abus dans l'institution qui, pour tout, mène enquête. Les policiers font ça qui passe. Donc pour ça qui passe hier, et jour 22 mars 2021, ils n'ont pas capable de rester comme ça comme directeur général de la police pour demander la police judiciaire mettre à vie des recherches contre policiers qui en fonction. Et moi, je vais vous exemple, un policier qui est juste côte de fer, il y a une semaine depuis côte de fer, et il dit dans la rue ailleurs. Donc ouais, on représaille qu'a fait contre l'institution. Et c'est même bagage qui s'est passé l'année dernière. Là, par exemple, la police a créé un syndicat. Ça nous est passé. Il a fait répression, il a arrêté, il a transféré. Et puis, les policiers ont fait pression, le syndicat vient former, et quand même, et je vous dis, il a attaqué l'espérance. Mais le syndicat et la police ne sont pas. Non, pour l'institution et pour police, parce que tellement de frustration dans l'institution. En même temps, le syndicat, il fait pour respecter les normes et les principes, c'est pour qu'on ait un bail, pour faire ça, on n'a pas qu'à faire répression sur eux. Donc, on dit, ça qui passe dans la police, là. Il fait normal parce que nous-mêmes, c'est sous cette institution et cette force publique que nous comptons. Et depuis Léon Clal, monter dans la tête de ça. Chaque action qu'il pose, chaque jour, c'est craser la crasse. Sauver la police là, il faut que tu aies une mesure qui prend la peine. Il faut que Léon Clal démissionne. Il n'est pas dans la place dans la tête de police là. Trop à il maltraite les policiers trop policiers qui ont mangé en prison arbitrairement. Ou pas capable de mettre qu'on soit mettre à vie des recherches contre le monde sans que l'inspection générale de la police n'ait pas de rapport. Donc, c'est pour le démissionner, pour venir, parce que les policiers n'ont pas fait confiance, pour venir avec des gens qui connaissent les policiers, qui sont capables de diriger les policiers, mais qui ont bien fait un travail technique, mais qui n'ont pas un travail politique. Jean et Charles a fait là. Et ça qui a passé dans la police, je veux dire, Jean dit là, et non, pas Léon Charles, il dit Léon Charles, c'est aujourd'hui échappé. Oui, et ça qui a passé dans la police, c'est inacceptable, les policiers ont souffert des papiers. Nous dit policiers, les affaires de revendication passent dans la RIA, ils n'ont pas de politique de violence, ils n'ont pas de bureaucrates écrasés obligés, ils n'ont pas qu'à faire violence sur le monde, ils n'ont pas de voilà écrasés matériel et bien l'État. Et ça, c'est anarchiste. Mais en même temps, l'autorité est dans les policiers. Si vous pensez que c'est les policiers seulement qui n'ont pas de rôle dans l'arrière qui est fantôme 709, ils sont loin de la réalité.
pas une unité dans la police là qui pas de fantôme 509 là-dedans.